Bonjour. Bonjour, bonjour. Donc, c'est dimanche. Et qui dit dimanche, dit petite randonnée. Puisque aujourd'hui, on va jouer tranquillement à ce jeu magnifique où je suis très mauvais, qui est PUBG. Parce que c'est vrai qu'il a quand même l'intérêt d'être très facile à... Pas très facile à jouer, mais... Ah voilà, on lance une partie et c'est parti. Justement, donc arrêtons de parler. En quoi on met? Tiens, on va se mettre, ouais. First person FPP. Je sais pas ce que ça veut dire FPP. FPS, ok, mais... First person quelque chose, le deuxième P. Enfin bref. Voilà, c'est la fin du week-end. Il a fait moins chaud que le reste de la semaine, ce qui est un peu con, mais on est bien. Et donc on va profiter pour faire, eh bien, une petite randonnée vidéoludique. Parce que de toute façon, quitte à mourir n'importe comment, autant s'essayer à des gameplays expérimentaux. Donc là, normalement, je suis passé en 1080p pour le stream parce que, bah, les couilles, hein. Ouais, hop là! De toute façon, si vous regardez, vous avez une bonne connexion internet. Sinon, vous ne regarderez pas, vous ne regardez pas. Moi, ça va commencer bientôt. Tac! Balle attaque! Ouais, balle attaque. J'ai regardé Gaijin Dash tout à l'heure. Donc, la map. Oh bah de toute façon la map on s'en fout, on va sauter dès qu'on peut. Ah, on va sauter à Chamé. Chamé, c'est Chamé. Grosse blague. Et on va se laisser planer pour arriver je ne sais pas où. Ah, ça me gratte le nez. Donc ouais, cette semaine j'ai pas trop streamé, j'avais pas trop le temps. Parce que pour une fois, enfin, pour une fois non, mais... J'ai eu un peu de travail cette semaine. Donc j'ai fini tard. Hop, je me sers un peu d'eau. J'ai vu des gens aller par là, donc on va peut-être pas aller par là. On se promène, on atterrit doucement. Mais il faut avancer. Allez, hop, et on recule. Où est la zone? Bon, il n'y a pas de zone encore. Mais je propose qu'on aille au niveau des ruines. Je pense que ça peut être sympa. On va y aller tranquille. Pendant que c'est en train de se régler dans tous les sens. Quelle belle végétation. C'est quand même pas mal, hein. C'est quoi le bouton pour faire des imprimés écran? On va faire de la photo. Paramètres, gameplay, mode daltonien, non, affichage tête haute, oui, s'accroupir, s'allonger. ADS, ça veut dire quoi? Je sais pas. Interpolation vue libre. Parce que si je fais des imprimés écran, je pense pas que ça marche. Inverser la souris. Commun, avancer. Bababababab. ADS. Ah oui, c'est quand on a la lunette, le ADS. Objet au volant. Ah, changement de siège, ça n'a jamais marché. Moto, parachute, UI. Ah, c'est peut-être ça. On va trouver, on va trouver. Sauvegarder la position, aller à la position, sauvegarder, 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 sauvegarder. Hop, les 99 joueurs. Bon, on peut pas faire de capture d'écran, mais c'est pas drôle. Où est la zone? Ah, on est dedans, bah parfait.
petit point. Par contre, si il y a le là-dedans, tac. Où est-ce qu'on est? Groupe de jeu. Ah, définir le raccourci pour les captures d'écran. Capture d'écran F12. F1? Ouais, c'est pas mal. Voilà, F1, je peux faire des captures d'écran. Ah, hop, on va essayer d'avoir. Tac! Oh, c'est quoi ce bruit? Oh, ce bruit de l'angoisse! Haha! Ah, mais mieux, 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 on va faire ça, on va faire paramètres, gameplay. Zoom dynamique de la mini-carte. Ouais, bon, on s'en fiche. J'allais vu, je voulais enlever le HUD, mais. Ah, mais je l'ai fait tirer dessus. Ah, bah voilà. Mais il a pas compris le concept, lui. Pourquoi il me tire dessus? Pourquoi il m'a tiré dessus? Ça le lâche. Mais bon, cette fois on est bon. Oh, j'espère pas tomber dans le désert par contre. Parce que sinon ça va pas être très drôle, hein. C'est vrai que oui, en ce moment il y a le gros tournoi. Le gros tournoi PUBG donc. Que je ne regarde pas. Ouais. Mais on a eu des objets gratuits. C'était bien ça. On a eu les habits de sport là. C'est trop cool. Hop. Tac. Bim dans ta tête. Non, on va ranger l'arme. Voilà. C'est pas mal ici. Bon, c'est un Airbnb à 3 étoiles ça. Ouais, c'est pas ouf. C'est un peu sale, mais. Mais c'est authentique. C'est ce qu'on recherche, donc. Hop là, on grimpe. Paradise Resort. Bon, les textures, hein, toujours un peu cracra. Tout à fait. Bon, allez. Sinon, ouais. Sinon, faut que je rejoue à la Switch là. Faut que j'achète le jeu de robot là que j'ai vu la dernière fois. Il a vraiment l'air bien. Enfin, non, il a l'air un peu pété, mais. On n'a pas assez de jeux de robot. Sinon, j'ai rejoué à la démo de Taiko no Tatsujin, mais en. Comment ça s'appelle? À l'écran tactile cette fois-ci. Parce que bon, oui. L'excuse du lag, c'était un peu de la merde, hein. Il n'y avait pas vraiment de lag. Mais j'ai joué à l'écran tactile parce qu'en fait on peut jouer à l'écran tactile de la Switch. Mais en mode dédocké. Et ça marche quand même beaucoup mieux. Et en plus, chance, le jeu a été annoncé en Europe. Et aux États-Unis naturellement pour la fin de l'année. Enfin fin de l'année ça va être octobre, je crois octobre-novembre. On va quand même s'équiper parce que en randonnée il faut partir équipé. Donc on prend un casque, de l'eau, surtout par cette température, des grenades pour se protéger des ours. Hop là! Sac à dos, non, c'est toujours au niveau, hein. C'est pas intéressant. Hop, où je suis? Ah, je suis à point alpha. Oh, mais qui me tire dessus? Et on va se promener. J'ai mis où mon petit curseur? Voilà, on va aller au curseur. Mais non, en fait, c'est une maison. C'est pas intéressant. On va aller là. Voilà, je pense que ça, c'est pas mal. Donc je disais quoi? Ouais, Taiko no Tatsujin arrive sur Switch et PS4 en Europe en novembre. Donc autant dire que je pense que je craquerai
gracieux, c'est cool. Par contre, je suis un peu. Par contre, moi, je savais pas, c'est que c'est pas les mêmes jeux sur PS4 et sur Switch, donc c'est pas la même. La même songlist. Mais après, Benchmark, celle de la Switch est pas mal. Puisqu'il y a Cruel Angel Thesis, le générique d'Evangelion, c'est tout ce qu'on veut. Celui-là, il est dans toutes les versions du jeu, au moins. Il n'y a pas de jaloux. Donc, je jouerai à ça. Ça, c'est pareil, c'est un peu bête, on peut pas regarder dans les dans la jumelle. Hop, hop, hop. Ah, il y a peut-être un petit peu hein, des bouteilles d'eau ou des trucs comme ça. Ah, 5 niveau 2. C'est intéressant. Bon, on va quand même prendre un fusil anti-ours. Hein, anti-ours. Où est mon curseur? Ah, il est là. Parfait. Hop, on va un peu nager. Hop là! Et pour revenir à Taiko no Tatsujin une troisième fois, je me suis perdu sur YouTube tout à l'heure à regarder des vidéos de mecs qui y jouaient et. Ça déprime, hein. Les mecs ils sont trop trop bons. Enfin, surtout, je suis tombé sur la chaîne d'un japonais qui fait genre, ouais, genre, découverte du jeu, quoi, il le déballe et tout. Il fait, tiens, je vais essayer. Avec les Joy-Con, qu'est-ce qu'il fait? Premier truc, il prend une chanson au pif, il la met en mode expert. On va faire une petite sieste. Petite sieste réparatrice. Il joue en mode expert au Joy-Con, sans trop de soucis. Enfin un petit peu quand même, il dit c'est un peu nul. Mais après il met le petit Taiko et là ça marche beaucoup mieux. Oh, une lunette x6, ouais. Tac. On met des caches-flammes, ouais. Bah, c'est très bien tout ça. Bon, c'est dommage, j'ai pas streamé hier et avant-hier. J'aurais dû parce que j'ai fait des parties pas piquées des hannetons. Notamment celle où je suis mort parce que j'ai essayé de siffler. Celle-là, magnifique. Parce que je suis tombé sur un tuto pour apprendre à siffler. Et bah ça marche. Vous savez siffler avec les doigts là. Un truc que je sais pas faire. Et le mec débarque devant moi pile au moment où j'ai les doigts dans la bouche quoi, bah c'est pas pratique pour tirer quoi. Voilà, donc je suis mort tristement. Voilà, faut arrêter de courir. On va s'essouffler. Allez, allez, grimpe. Oh là là, oui. Allez. Admirez-moi cette vue. Oh là là, mais ce bruit est horrible. Il est où le soleil? Ah, il est là. Donc si le soleil est là, le nord c'est par là. Ah non, c'est le sud là. Ah, donc on est l'après-midi. Eh oui. On est en fin d'après-midi. C'est dommage, il n'y a pas beaucoup de faune. Où est-ce qu'il faut aller? Bon, je pense qu'on est pas mal, hein. Poum, 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 poum. Ah là là.
Les oiseaux. On peut zoomer, parfait, parfait, j'ai des longues vues, j'ai une longue vue. Oui, bah sans surprise, je suis dedans. Allez, grimpe. Allez, grimpe. Ah, mais c'est pas drôle. Non, je veux m'asseoir. Voilà. Bon, ça, pareil, j'ai toujours pas compris comment ça marchait, hein, la petite réglette. J'ai pas cherché à comprendre non plus. Oui, si, c'est français. J'ai eu un doute. Parce qu'on sait jamais, hein, avec la langue française. Padam, padam, pam, pam. Ah, ça me pique le nez. Ouais. Sinon, je suis allé voir des films français hier. C'était pas trop mal. Je suis allé voir comment il s'appelle. Il y a les camions qui passent dehors, c'est très pratique. Oh, une petite fleur. Ah non, une petite feuille qui tombe. Mon téléphone dans une main. Hop, hop là. Je suis allé voir quoi? Ouais, c'était le Paul Sanchez est revenu. Non, c'est ça. Ouais. Et Fleuve Noir. C'était bien. C'était bien. Bon, dans Fleuve Noir, Vincent Cassel en fait un peu des caisses, mais. Mais c'est pas mal. Les deux sont pas mal. Dans leur style. Hop. Ah oui, c'est de l'urbex. Comment il a monté son radiateur? Bah normal qu'il marche plus. Ça ressemble à rien là. On va aller dans les habitations. Parfait. Donc c'est un calendrier. Ça fait des captures d'écran, c'est pas beau. Ah, une fenêtre sur la nature. Mais si, il faut vraiment que j'arrive à enlever le HUD là. Oh là là, mais c'est en train de se régler beaucoup trop proche de moi là. Je vais encore mourir. ATH, off, off. Couleur du pointeur, on s'en fiche. Zoom dynamique mini carte icône kill feed, oh. Je sais pas ce que c'est. Interpolation de vue libre. Ça a changé quelque chose? Ça a rien changé. Si, à part qu'il n'y a plus les trucs en bas. Quoi ça? C'est le bordel sur mon bureau. Ouais, il n'y a plus les. C'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. C'est pas ouf. C'est pas ouf. La la la. Allez, la pause est finie. On va recommencer la randonnée quand même.
Un ours. Mais quoi? Mais j'ai cliqué avec ma souris. Mais non, mais c'est quoi ça? Toujours de la triche. Hein. Toujours à tricher les gens. Ça se fait pas. Un peu déçu. On recommence. Oh, ce générique de l'angoisse. What? Que s'est-il passé? J'ai pas suivi. Wow! Salut! Trop bien. Mais pourquoi c'est pas les bons emojis? C'est pas bon ça. Normalement c'était le. Un autre gif. Pour le. Je vais trouver les mots. Hein. Pour le follow, normalement c'est pas ce gif là. C'est un autre gif. Du coup j'ai un peu le seum. Mais c'est cool quand même. Bon, allez, on va être sérieux. Et on va sauter là. On va sauter, on va aller dans la petite maison là-bas. C'est bon, la randonnée c'est fini, là il y en a marre. On va y aller en mode sérieux. Mode Predator. Predator, donc le... La suite devrait arriver bientôt là. Il n'y a pas eu un trailer à la Comic-Con? Je sais pas. Il faudrait que je vérifie. Surtout que c'est drôle parce que c'est un trailer. Enfin c'est un. Le nouveau film il est fait par Shane Black, réalisateur de Kiss Kiss Bang Bang. Et... Non Kiss Kiss Bang Bang. Kiss Kiss Bang Bang c'est un truc de. De crowdfunding et de Iron Man 3 et etc etc, mais c'est aussi un des acteurs du premier film comment il s'appelle, Predator, donc 30 ans après il joue dedans, enfin il va réaliser la suite, c'est assez drôle. Je viens pas de passer ouais, d'un sac à dos 1 à un sac à dos 2, je suis con. Oh là là, je suis encore à poil là, c'est génial. Oh, une trousse. Qui me sera pas utile, mais... Hop, la grenade. On ferme derrière soi. Hein? Parce qu'on paye pas, on chauffe pas les petits oiseaux. Attends, je suis en quoi? Oh, je suis en tir unique. Oh, ça a l'air bien ça. Moi, je récupère tout. Ah, c'est pas mal. Petit truc là, comme ça là. Mais c'est un peu de la merde, donc.
Ouais, parce que, enfin, c'est un peu de merde parce qu'on sait pas vraiment ce qu'on a. Une voiture, parfait. Tiens! J'ai dit quoi? On jouait sérieux là aujourd'hui. Non, putain. On va piller les objets. Tiens, ça vient là. Ça vient là. Je prends quoi comme... Du 5,56, moi je prends. Et du 45. Non, micro Uzi, c'est nul. Ah, c'est beaucoup plus puissant, ça. Hop là, là on est bon, on a tout chargé. Parfait. Ça prend du calibre 12. Ouais. Tu vois, j'ai mis quoi? Compensateur, bec de canard, réduction de la zone d'impact, réduction. Ouais, bon, on s'en fout. Donc je disais, ouais, Predator, ouais, bah nouveau Predator qui doit arriver. Je sais pas quand. On est toujours dans la zone, c'est bon, pas, on prend ça. Tac, et on avance. C'est parti! Ça me gratte le nez. Je sais pas, on va mettre ça là-dessus. C'est bizarre, il est tout petit le pistolet là. Tac, on va aller se cacher, on va faire trempette. Parce qu'il fait un peu chaud. Ça, je pourrais en profiter pour aller sur Twitter et mourir. On baisse la luminosité. Oh là, ça fume là-bas. Qu'est-ce que c'était ça? Mais il l'avait pas volé hein, tout à l'heure le mec là. Bim bim. Je joue un peu trop. Allez hop, je prends un peu de tout. Bah ça j'en ai déjà une. Ça j'en ai pas besoin. Alors qu'est-ce qu'on va mettre sur quoi? Lunettes x4, non. Un petit coussinet, non. Un compensateur, non. J'ai une fumigène. Une assourdissante, ouais, c'est pas très utile. Merde. Il a pas dû me voir.
Heureusement, il m'aurait roulé dessus. Ouais, il y a les explosions, on va se cacher. Je peux m'allonger? Ah bah parfait. Oula, mais il va falloir que j'avance, oui. Je sais pas, on peut aller où? On peut aller genre... par là. Au nord tout. Ouh! Ça explose. Ah mais d'ailleurs, je suis bête, on peut faire un truc. C'est mettre la x4 là-dessus. Tiens d'ailleurs, moi j'ai pas... Hop, hop. Ah mais non, j'appuie sur 4 touches en même temps. Oui, bon, on s'en fiche, on va le laisser vivre. Trop aimable. Ouh. Ah bon, on va pas me laisser, hein. Ah voilà. Je fais preuve de gentillesse. Enfin, de gentillesse, c'est juste que j'ai confondu les touches et que je me suis raté, mais... Oh, mais c'est sympa, cette petite crique, là. Regardez-moi ça. Hop, 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 attention, hop. Piou. Oh là là, oh le lance-roquette. Je sais pas, c'est pas censé genre one shot ou un truc comme ça ce truc. Bon, on va faire ça parce qu'on n'est pas... voilà. Je sais pas du tout, je comprends rien. Je vais l'aligner avec ça. Putain, mais il me shoot de trop loin là. Hop là. Parfait, on est dopé. Oh! Mais c'est pas le même. Je pense pas. Mais je l'ai touché, hein, quand même. Un petit peu. Ouais, c'est pas du tout le même. C'est un mec qui était derrière. Putain, mais j'ai un truc dans le nez, là, c'est chiant. Ouais, voilà, c'est un mec qui avait rien à voir. Putain, j'étais numéro 10, là. C'est quoi ce numéro? Je sais pas du tout ce que c'est, ce numéro. Oh là! Oh, je l'ai pas vu venir. Bim. Ouais, menu principal.
Non, mais voilà. Ce qui nous tue pas nous rend plus fort, un truc comme ça. Ouais. Hop, on va relancer ça. C'est vrai que de ne pas avoir deux écrans, c'est galère. Hein. C'est galère, ouais. Non, boîte d'alerte. Ouais. Ouais, ça c'est bon. Non, mais c'était pas du tout ça en fait. Mais pourquoi ça a pas sauvegardé mes trucs? On va voir les variations, machin. Purée, faut tout que je refasse. Oh, c'est chiant. Bah ouais, c'était ça normalement. Ah ben non. Mais non, le son. Il va falloir que je saute, hein. Bah oui, c'était ça normalement. On va attendre tranquillement. Mais je sais pas, t'as beau viser les mecs, tu sais pas à quelle distance tirent les armes et tout. C'est un peu compliqué parfois. C'est un peu compliqué. Ça a l'air bien ça là-bas. Petit port. Qu'est-ce qui chauffe? Ah, c'est mon PC qui est un peu chaud. C'est chaud? Oh là oui, c'est un peu chaud. Ouais. Enfin, c'est chaud, ça va. Hop, on dab. On fait un 360. Là, mais c'est les favelas. Hop là. Là, oui, j'ai buggé 5 minutes là à chercher une rime et un jeu de mots entre Favela et Benalla, mais non, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. J'ai juste envie qu'il aille en prison. Voilà. Donc. Hop là, on s'arme jusqu'aux dents. Non, mais j'ai putain, mais oh là là, c'est chiant. Non, je suis dans l'eau, voilà. Voilà, ça c'est encore un coup de En Marche. Je dis du mal de leur partie. Je tombe dans l'eau. Bravo. Je vais me faire ban. Hein. Ah oui, ça c'est trop bien. Mais non! Le cubu là, je veux le cubu et le micro Uzi. Ça peut pas aller là? Mais non! On va prendre ça. On met la x4 là-dessus. Portée réelle. Oh là, ouais, je fais n'importe quoi. Oui, voilà, ça c'est bien. On va mettre un cache-flamme. On va mettre un chargeur XXL. On va mettre un cache-flamme aussi. Et ben. Non, non, un cache-flamme, cache-flamme. Voilà, on charge. Clac, clac. Ah, il y a le mode rafale normalement, c'est celui-là. Voilà. Pif, paf, pouf, et hop là. Alors, Yamakasi. Ah, c'est un viseur point rouge, bof. Je préfère les viseurs holographiques là. Quoi?
Un silencieux. Ah ouais, non, c'est encore mieux le silencieux. Ah, je suis dans la zone, c'est trop bien. Calibre 12, non, non, ça m'a pas réussi ça tout à l'heure. J'ai pas compris comment ça marchait. Ah bah parfait. Non mais tiens. Ça, de toute façon j'ai jamais trouvé une seule arme sur laquelle je pouvais mettre la petite poignée. Donc hein. J'avais imaginé la dernière fois. Ah oui. Espace insuffisant. Oh mais tiens, voilà. Non. Voilà. Wow. Il y a un truc qui me sert à rien dans ces munitions, mais je sais pas laquelle c'est, donc je vais tout garder. Mais ouais, je me laissais arriver d'un jeu Ghost in the Shell. Parce que ça aussi, alors ça, j'ai pas commencé à en parler, mais. Enfin, je sais pas si j'en ai déjà parlé. Mais ouais, gros fan de Ghost in the Shell. Et c'est vrai qu'on n'a pas de jeu, ça pourrait être bien. Il y a eu un jeu en ligne à FPS, Ghost in the Shell, que je pourrais essayer en fait. Mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je joue à PUBG alors? Aucune idée. Enfin bref, il y en a eu un, mais c'était un truc, un jeu coréen là, sur le modèle des. Bah, de leur jeu multi, de leur FPS multi. Genre, ils ont un CSGO en free-to-play en Corée. Enfin bref. Mais j'aurais vraiment aimé, genre. Je sais pas, un jeu Ghost in the Shell. Ah oui, bah d'accord, la map elle est. Ça va, on est large. Jeu multi. Je sais pas, je réfléchissais. Peut-être un tactical. Un tactical RPG, ça peut être bien. Mais c'est quoi ça? Ah oui, c'est un truc qui a rien à voir. Voilà, oui. Je sais pas. Je sais pas ce qu'on pourrait faire. C'est vrai qu'un tactical RPG dans la veine d'un XCOM, quelque chose comme ça, ça pourrait bien se prêter à Ghost in the Shell. Avec à chaque fois des missions où il faut prendre d'assaut un lieu ou un truc comme ça. Putain, mais on va croire que je suis cocaïnomane là à force de me gratter le nez. Alors que la seule farine que. Que j'ai chez moi, c'est de la farine de riz, parce que je suis intolérant au gluten. Alors c'est, je peux pas vous imaginer comment c'est cool. Mais ah, bon ça tu dégages. Bon ça on s'en fiche, ça on s'en fiche, ça tu viens là, voilà. Ah voilà, là on est bien, dit-il. Je sais pas, ça se tire dessus depuis tout à l'heure. Ah mais j'ai une lunette qui va super loin là. Donc ouais, un jeu Ghost in the Shell, je sais pas, un jeu multi, un tactical RPG, ça pourrait être bien, avec de la pause active. Ou alors vraiment un FPS, ça pourrait vraiment être cool quoi. Un truc à la Ghost Recon Wildlands quoi. Alors j'ai pas joué à Wildlands mais dans l'idée, un truc multi où chacun joue son perso, enfin joue son perso. Je veux qu'il y ait un éditeur de perso bien sûr mais.
J'arrive pas du tout à savoir d'où ça vient, les tirs. C'est pas grave. Ah, mais j'ai fait une erreur. Non, c'est bon. Là, je pensais à autre chose, mais bref. Bah, bref, oui. Oui, un jeu Ghost in the Shell, ça serait bien. Le truc pour y avoir plein de mécaniques intelligentes. Ça ressemble, oui, il faudrait un jeu comme, ouais, c'est ça, comme Ghost Recon, comme Rainbow Six en fait. Où t'as un lieu, genre une prise d'otage, un truc comme ça. Genre de scénario qui a énormément dans Ghost in the Shell. Et bah faut stopper la prise d'otage ou stopper le pirate informatique, un truc comme ça, ça pourrait être bien. Donc on pourrait pirater les gardes pour voir à travers leurs yeux, utiliser des tachikoma. Ça c'est trop bien les tachikoma. Chose qu'on ne voit pas dans le film. On voit pas dans le film? Non, on voit très très peu dans les films. Dans les films de Mamoru Oshii en tout cas. Oh, il se met à pleuvoir, génial. Oh, c'est pas mal ça. Enfin bref. Ça ne se fera sûrement jamais. Alors... ce qui est dommage. Ou alors il faut que je fasse un Kickstarter, hein, et je promets non, que je fasse un Indiegogo. C'est comme ça. Dans tous les cas, je garde l'argent. Ou je promets un jeu multi Ghost in the Shell. Je suis sûr que si je vais voir Si je vais voir. Oui, j'ai un trou de ouf. L'auteur de Ghost in the Shell, là. Allez. L'auteur de Ghost in the Shell. Je vais devoir aller tricher et aller voir ça sur Google. Sérieusement. Masamune Shiro. Voilà, ça m'est revenu. Voilà, si je lui dis. Et je vais faire un jeu et tout sur ton manga. Je suis sûr qu'il serait d'accord. Voilà, il toucherait des royalties, il pourrait continuer de dessiner ses hentai tranquillement et basta. Parce que ouais, Masamune Shiro, aujourd'hui il fait plus que ça, hein, je crois, enfin dernière nouvelle. Était plus actif dans le dessin érotique que dans faire des suites à ces séries. Et je viens de voir quelqu'un passer. Ou alors c'était une goutte d'eau. Je le saurai quand je me prendrai une balle dans la tête venue de nulle part. En tout cas, ça couvre les bruits de pas, c'est un truc de fou. Je pense que je vais prendre le buggy là-bas. Pour aller me promener. J'ai des grenades. Ah, j'ai une grenade. Parfait. Non, c'est une feinte. Je vais pas prendre le buggy. Je dis ça juste pour induire en erreur les gens qui regarderaient mon stream. Pour me stream hack. C'est vrai que je pourrais mettre la caméra, enfin la cam pile sur la carte.
comme les vrais, les pros. Oh là, mais les gouttes d'eau, mais enfin. La pluie est sympa, mais les effets de gouttes d'eau, enfin, c'est un peu bizarre. Parce que. On se prend pas des gouttes sur les yeux, quoi. On n'a pas des gouttes sur la rétine. Si j'avais des lunettes, pourquoi pas? Mais là, j'ai pas de lunettes. D'ailleurs, je vais abandonner ma veste. Comment on fait? Hop là. Comme ça, on est encore plus. Personne. Est-ce que j'enlève mon pantalon? Voilà, j'abandonne ma veste. Je passe en mode furtif. Mais oui, oh là là, et vous imaginez un jeu Ghost in the Shell, on pourrait devenir invisible et tout. Ce serait tellement bien. On pourrait être à plusieurs et on pourrait communiquer comme ça. Oh, je suis pile dedans. Alors après, ouais, le gameplay de communication par la pensée, je sais pas comment ça pourrait être fait. Bon, juste par micro. Mais ça pourrait être bien, quoi. Je vais éternuer. Non, c'est bon. En vrai, c'est plus un survival. Qu'un jeu d'action, hein. PUBG. Survival, mais en même temps, oui, c'est un survival. Je pense que ça a plus à emprunter à un jeu comme Silent Hill et Resident Evil. Qu'à des jeux comme Call of Duty. Où je dois aller? Ah, ça a l'air pas mal ici. Ah, mais c'est là que j'étais tout à l'heure. Est-ce que je n'irai pas m'allonger dans l'eau? Mal en hauteur là. Je sais pas, je crois en ma strat. Voilà, parfait. Parfait. Alors en vrai, techniquement, c'est la pire des idées. Parce que bah, il y a les gens au-dessus de moi et moi je suis en dessous quoi. Comment je bouge? Allez! Réduis-toi. Que tout le monde vienne ici là et que ça paye. Oh là là, mais je bouge bizarrement. Ah ouais, j'avance. Faut pas que je bouge. On va arrêter de parler aussi. Ah! Ah, mauvaise idée. Putain, j'étais bien dedans. Enfin, j'étais dedans tout à l'heure. Je suis descendu. On va y arriver. Je pense qu'on va surtout passer. Avec ça.
bon, où est-ce qu'on est dedans là? Derrière l'arbre, on est dedans, parfait. Mais où est-ce qu'il était? Je suis sûr qu'il était juste à côté. Il était juste à côté du caillou, je suis sûr. C'était le mec sur sa moto. C'est ça. J'allais aller pile dans sa tête. Hein. Il peut pas me voir. Ah oui, c'est là, il me voit. Ah, j'aurais pu le voir. Ouais. J'aurais pu le voir. Enfin bref, c'est pas grave. Pif paf pouf. Ah oui, d'ailleurs, j'ai une caisse à vendre. Boutique, statistique, non, personnalisé. Équipement. Non. Ouais, ça faut payer. Non, mais je vais pas payer une clé pour ouvrir cette merde. Je sais pas combien on peut les vendre sur Steam. Mais bon, c'est galère parce qu'il faut que je remette mon compte Steam et compagnie. Enfin, bref. Enfin, que je remette mon compte Steam. Oui. Event mode. Ah oui, mais j'ai pas d'amis. Ça marche pas. Tac. Parce que ouais, sur Steam, ils ont... Ça faisait genre très longtemps que j'avais pas payé sur Steam. Jusqu'à il y a quelques temps. Et là, maintenant, si on veut vendre des objets sur Steam, il faut valider son compte et compagnie. Enfin, c'est galère. Enfin, c'est bien, c'est sécurisé, mais... je l'ai pas encore fait. Oh là là, voilà. Blablabla. Twitter, hein, toujours valeur sûre pour s'occuper. Mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis en vue à la troisième personne? Oh non! Ah bon, on va être là. Bah voilà, bah. Ça trolling the sun, ça c'est parfait. Ah là là, bref. On va un peu réfléchir. Tac tac tac. Voilà, mais ils sont vieux ces tweets. Oh, il y a une nouvelle bande annonce de Tigrou. Enfin de Tigrou, de Winnie l'ourson. Qui a été repoussé du coup? Non? Attendez. Attendez, moi on m'avait dit qu'il avait été repoussé. Mes collègues m'auraient menti? Walt Disney Studio. Faut que je vérifie ça. Sinon, rien à voir, mais il y a... Bon, déjà en tout cas, bref. Winnie l'ourson, 1, je vais aller voir ça. 2,
Dans tous les cas, je m'en fiche parce qu'il y a Mission Impossible qui sort dans 3 jours. Et je suis hypé comme pas possible. Tout simplement parce que Henry Cavill avec une moustache, c'est oui quoi. C'est oui. Surtout quand il met des grosses tatanes, il y a quelqu'un à côté de moi. On ouvre la porte. Ok. Allez, allez, passe. Bref, du coup, voilà. Et donc, vu qu'il est sorti déjà vendredi aux États-Unis. Oh là là, mais je l'avais presque eu. Fait chier. Je sais qu'elle a plus beaucoup de vie. On va regarder. On va regarder pour être sûr. Moi, je pense pas. Je pense que je lui ai juste mis 2 balles. Bref. Et donc les scores sont très très bons. Là. Et il y a un mec qui a calculé que plus... enfin qui a fait la... a remarqué la corrélation entre le fait que Tom Cruise court dans un film et que le film est une bonne note sur Rotten Tomato. Ah purée, je l'avais presque tué là. Bref. Ba. D'accord, et donc ouais, donc plus il court et plus la note s'avère être bonne. Enfin bref, ça n'a rien à voir. J'espère que, enfin de toute façon, en plus ce que je racontais n'avait aucun sens. Bon bah on en refait une hein, vu que je suis mort très très vite. Et qui c'est qui a changé ça? Ouais j'aime bien FPP là. C'est pas mal. Oui Sardoche est une grosse merde, bon bah ça on est au courant. Donc... je voulais aller voir Winnie l'ourson. Enfin, je suis con, j'ai un ordinateur. Ordinateur, non, oui, Winnie. Winnie l'ourson, film, je sais pas comment il s'appelle. Ah, c'est Jean-Christophe et Winnie l'ourson, ouais. Tais-toi. Ah ouais, il a été déplacé à octobre. Putain, mais ils font chier de ouf. Donc aux États-Unis, il sort dans 5 jours et nous, on doit attendre 3 mois de plus. Voilà. Parce que grosse logique. Voilà, voilà ce que ça me donne envie de faire. Mourir. Buh. Hop là, je fais la toupie. C'est pas mal la petite petite maison là-bas là. Hop là, on va y aller. On va aller aux ruines tout en bas là. Ça va être compliqué. Hein. Hop, allez, tu peux le faire. Hop, il suffit de nager comme dans les dessins animés. Je sais pas s'il y a d'autres gens. Ah non, mais ils avaient. En fait, j'aurais dû lâcher mon. Hop. Putain, c'est Metal Gear là. Ah là, putain, je suis sénile quoi. 3 streams, je parle de Metal Gear et de Metal Gear. C'est tout ce dont je parle. Et en même temps, on parle que des bonnes choses.
Ah, mais il y a une petite tente et tout, mais c'est parfait, moi je vais rester ici. Puis bon, après, voilà, c'est aussi un peu stupide, hein. Du désert tout de suite, Metal Gear. Alors que s'il y avait des enfants soldats et des clones dans tous les sens, là, ça serait vraiment Metal Gear. Hop, on prend l'escalier. Je sais pas où je vais. Hein. Non! Oh non! Je suis tombé. Ça doit être vomitif à regarder ce que comment je joue. Hop là. Ouais, ça va, je joue pas à Doom. Non! Non! Oh là là, eh bien, compliqué là. Compliqué, surtout qu'il va falloir que je. Oh! Oh, vraiment que je traverse la map là! Allez! Ah bah parfait! Non! Non! Eh bah j'espère qu'il y a une voiture. Je pense qu'on va bien rigoler. Un caillou. Ah, des trucs bien là. Non, alors, hop, on va faire ça. Non, 3, clac. Mais avouez que c'est quand même beau ici là. Enfin beau. Oh là là, le petit flair là. Tac, 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 on prend ça, on met ça. On met le repose-pouce. Et c'est parti. C'est parti pour le show. C'est parti, le stade des shows. C'est ça les paroles? Tout à fait. J'ai combien de temps? 3 minutes? Oui. Un petit sprint et c'est parti. Ah, j'ai un gilet pare-balles, non? En mode rafale. Ah mais c'est pas mal là ici. Non mais pourquoi qu'est-ce que pourquoi je me mets à. Suis sûr que je peux retirer des trucs sympas. Tac. On verra. Je suis un grand fondeur, enfin vous savez. Enfin non, vous savez pas. Moi non plus, je le sais pas. Bon, faut courir. Y a rien d'intéressant. Y a pas des gnocchis. Y a personne pour me prendre en stop. Ah, attendez. Pas des voitures ça là-bas? Help! Non, c'est des buissons. Mais que vois-je? Mais oui! Oh là là, attends, ça s'appelle comment? La Mirado. Ouf. J'ai cru qu'il s'appelle la Morano. Et là, autant dire que je la mettais au feu. Tac. Donc je vais là. Donc en fait, c'est quoi? Ouais, il faut que j'aille ici. Donc j'ai tout droit. Après, je prends la prochaine à gauche. Et tout droit. Parfait. Ah, il faudrait que je mette de la musique là. Tadadadadada. Il faut que je mette les Beach Boys. Surfing USA.
C'est ça, les petits dés et tout, la planche de surf. Hop, je me gare sur le bas-côté. Ah si, attendez. Si on est en décapotable. Hop, il faut qu'on se mette en condition décapotable. Les cheveux au vent. Les casques, ça sert à rien. On se met pieds nus. Parce qu'on revient de la plage. On est roleplay ou on n'est pas roleplay? Par contre, j'ai bien mis ma ceinture. J'ai pas mis ma ceinture de sécurité. Mais c'est dangereux ça. Oh là, oui. Mais on ne pas regarder la route aussi, c'est très dangereux. Voilà pourquoi faut pas faire de SMS au volant, les enfants. Oh putain. C'est bon. C'est bon. Heureusement, c'est une décapotable très très bien construite. Qui fait que même sans arceau de sécurité, et putain, il va falloir que j'accélère de ouf. Je sais pas quoi ça sert ce bouton. RR. RR Martin. C'est pour tuer tous les Lannister, c'est ça? Non, je prends pas le Kite 4. Hop là. On la joue à fond. Ouais, ça passe. Alors, je prends la prochaine à gauche. Genre là. Ce serait bien d'avoir un petit GPS. Voilà, hop. Heureusement, je suis pas trop mauvais au jeu de voiture. Et là, la conduite est pas trop mal. Bon, on voit rien du tout, mais... Oula, hop. C'est bon. C'est limité à 90. Non mais... 90 en plus, c'est des miles. Jamais de la vie, jamais de la vie, je roule à 90 miles dans la montagne. Le mec, vous n'êtes pas sérieux. Ah, attendez, il faut que j'aille où, là? Ah oui, par là. Ah, la bleue, elle est pas mal, hein. On va rester sur la rouge. Donc là, je prends la prochaine. Ouais, je vais prendre tout droit quand ça redeviendra... ouais, c'est bon. J'ai mon pathfinding. Le RR là qui s'allume quand j'appuie sur accroupir, je sais pas à quoi il sert. Oula, oula. Oula, les chutes d'FPS là, ça va oui. C'est bon, on fait un peu de hors-piste, mais c'est... Oui. Il y a un fossé. Voilà. Oui, et hop là, et là ici on prend là. C'est bon. Il y avait pas besoin de s'inquiéter. J'ai encore la moitié de mon plein. C'est pas mal ici aussi. Ouais, faut pas prendre de photos non plus au volant. Un peu dangereux. Hop, la petite moto. Je suis à 133. Allez, on y retourne. On y retourne, oui, on va là. On va aller là, je pense. Ça m'a l'air pas trop mal. Au bord de mer. Mais qui me tire dessus? Mais t'es en moto, mec. Ah non, on est en kilomètre heure. Ah non, mais là en bas, on est en miles. Sur le compteur de vitesse. Alors le compteur de vitesse bouge, mais pas le compteur kilométrique. C'est un concept. C'est un concept de routier, ça.
Ouais, mais essayez pas de m'arrêter, les mecs. Ah, mais les mecs, ils continuent, mais. Purée, mais il a quoi pour tirer dessus, là? Allez, 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 on peut le faire. Oui, parfait. Ce que je regrette aussi, ouais, c'est qu'on peut pas. Il n'y a pas de clé mort dans ce jeu. Ça aurait pu être bien. Pour pouvoir un petit peu se protéger. On peut pas sonner la cloche, c'est nul. Voilà, bah parfait, bah on est pas mal là. Et hop. Oh, c'est un bon coin. Ah non, c'est un avion. Puis voilà, je suis fusionné à la. C'est quoi ça? Inverser le rendu de caractère. C'est un concept. C'est un concept. Oui, pourquoi pas. Dans tous les cas, j'ai zéro image perdue. Mais attendez, pourquoi il n'y a pas de. Il n'y a pas de son? Oui, il y a du son. Si, c'est bon, il y a du son. J'ai eu peur. Ça aurait été con qu'il n'y ait pas de son depuis, depuis 20 minutes. Pourquoi il va pas se déverrouiller? J'ai les doigts moites. Oui, tout à fait. Ça, on s'en fiche. Voilà. Non, mais je. Oui, tout à fait. Bah, on est bien là, hein. Mais c'est chelou en fait. Parce que normalement, il y a beaucoup plus de ronds. Ah bah là on est au deuxième, ouais. Oh mais c'est qui gueule dans la rue là? Attends, qu'est-ce que j'entends là? Ah bah c'est beau ça.
Je sais pas. J'expérimente. C'est quoi, c'est une fois 3? Fois 2? Fois 2. Tac tac tac. Wow, où est-ce qu'il faut que j'aille? On va aller là. Alors, par où on passe? Oh non, mais quelle bête! Ce bruit est vraiment horrible, non? Ce pouip! Après, c'est vrai que je pourrais mettre le jeu en ultra, des trucs comme ça. Mais... Bon, il est quasiment en ultra là. Mais... Pif, paf, pouf. Il y a une caisse qui est tombée là. On peut aller voir, ça coûte rien. À part l'occasion de me faire saigner, mais. C'est peut-être bien ce qu'il y a dedans. Ouais, moi je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée du monde, mais bon. Mais bon, c'est pas grave. Non, non, elle est où la petite maison? Ah, c'est ça? Ah ouais, je sens que c'est un bon coin pour se faire tuer. Ouais, ça pourrait être intéressant, je pense. Il y a des mécaniques de piège. Un peu comme dans Fortnite. Mais où tu puisses, je sais pas, genre mettre des clés morts, des trucs comme ça. Genre piéger des véhicules. Oh, je suis dedans.
C'est un caillou. Ah, il y a un mec là, ouais. Mais bon, jamais je pourrais l'avoir. Parce que je suis trop mauvais. Et j'ai toujours pas compris comment marcher les... Suffit de se concentrer. Ah, je suis sûr qu'il y a un mec là par là. Pouf! Ouais, grosse fatigue. Hein. Mon iPhone ne veut plus se déverrouiller. Oh bah oui. Ah bah oui, mais je regardais plus l'écran, est-ce qu'il a bougé? Est-ce que des gens ont bougé? Oh là. Mais on fait un top 10 là. Ça c'est pareil. Je radote, hein, mais... Putain, dans Metal Gear 5, quand t'es allongé sur le ventre, hop, tu peux te retourner sur le dos instantanément pour pouvoir tirer derrière toi. Ça pourrait être tellement bien là. Et puis sur une touche, tac, sur le dos. Après, je dis pas, ça fait partie des limitations, enfin, c'est un parti pris d'être... ce gameplay, mais bon. Aïe, ah, mon doigt. Ça pourrait être tellement bien. Je pense que je peux y aller en rampant sans trop de problèmes. Ah, mais j'ai pas un casque marron. Si j'ai un casque gris de ouf là. Ah si c'est bon ouais, si je vais tout droit, ouais si c'est bon. Là. C'est vrai que le jeu est beaucoup plus facile hein, quand tu vois tes ennemis et eux ne te voient pas, mais bon. C'est pour ça que c'est pas mal d'avoir mis la killcam maintenant, donc on peut... plus ou moins revoir, bah ouais, comprendre ce qui nous est arrivé, quoi. J'aurais peut-être intérêt à changer d'arme, ouais.
C'est gros comment la zone? Ouais, c'est tout petit. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée ce que je fais là. Si les mecs de l'autre côté, je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Là, je pense que tout le monde est dans son fourré et ne bouge plus. Oh là là. Oh, je suis unleashed aujourd'hui. Parfait. Non, il faut que je me rabatte par là. D'accord, il n'y a plus que un mec vivant. What? Oh merde! Fais chier! Fais chier, fais chier, fais chier! Oh, je suis deg! Oh, je suis deg, j'aurais pris l'autre flingue. J'aurais pris l'autre flingue, je l'aurais buté. C'est comme ça. Déçu. Ah putain, mais je lui avais lancé la grenade pile dessus en plus! C'est pas possible, il savait pas que j'étais là. Ouais, non, il savait pas du tout. Moussidge. Moussidge, ouais. Ouais, c'est un pro, le mec. Hein. Genre, hop là, je me mets... Ouais, les tongs Twitch, c'est trop bien. Ok, ouais, je vais le signaler pour la peine. Non, ok, ouais, je vais quitter la partie. Mais c'est pas mal. Hein. Je devrais pas en être fier, mais c'est mon premier top 2. Ah, je suis un peu déçu. J'aurais pris l'autre, j'aurais dû garder l'autre flingue et là, boum! Bah, je l'ai explosé. Enfin bref, ah, je suis content là, je suis content. Sur ce, on va se quitter, hein, parce qu'il est tard. Il est tard. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Il faut que je revoie ce layout un peu dégueulasse là, cet overlay, parce que bon,
Le rectangle blanc, c'est pas top. C'était pas très passionnant hein, aujourd'hui. J'ai raconté beaucoup de merde, mais ça a quand même terminé en beauté. Et ça, c'est pas mal. Sur ce bruit de camion, je vous dis à bientôt. Pour d'autres aventures et peut-être d'autres jeux. Je crois que je vais vraiment acheter le jeu de Mecha là. Peut-être même ce soir. Je ne sais pas. On verra. Allez, bonne nuit.